Salut à tous les amis, ce soir je vais faire un petit tour à l'affût. Là je vais sur un layon qu'on a fauché aujourd'hui, donc fauché avec les débroussailleuses. Donc il y a une bonne partie à faire au layon et on sait très bien que dans ce layon-là il y a pas mal d'arnards qui traversent. Donc là on a fait ça il y a 4 heures maintenant je pense. Ouais, 4-5 heures, un bon 4-5 heures. Et donc là je pense que il se fait peut-être bien l'heure pour que les renards sortent. Donc j'ai pas trop parlé parce que je vais arriver au poste, mais je vois. Le renard. Donc pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a fait un peu de débroussaillage comme vous pouvez le voir autour de moi. Donc on a vraiment attrapé du lourd. Donc voilà, il y avait vraiment ce qu'il fallait en quantité pour attirer un renard. Et donc voilà, je me suis pas trompé. Donc un beau renard, un jeune de l'année. Donc voilà, il a de super, il a des belles couleurs, il est beau, il est en bonne santé on va dire. Pour le moment, il reste en bonne santé puisque on sait très bien qu'il y a certaines maladies sur le renard qui malheureusement qui peuvent lui faire perdre ses poils, comme par exemple la gale. Donc voilà. Donc là, je suis super content. Honnêtement, c'était voilà. Si je voulais venir faire un petit peu d'affût et puis me faire plaisir en tirant un arbre, bah, voilà, je me suis fait plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc en tout cas pour moi, bah, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Donc je m'éclate toujours à faire des vidéos, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, même si j'ai fait l'installation du pont, je l'ai fait avec un tracteur tondeuse, voilà, je me suis un peu éclaté à le faire. Donc j'espère que ça vous plaît. Bon, en tout cas, le peu de commentaires que j'ai, pardon, ils sont assez positifs. Donc vraiment pour moi, ça me booste, disons. Donc c'est pour ça me pousse à plus de faire de vidéos, pardon. Et donc j'ai aussi vu que la vidéo sur les moissons vous a plu. Donc j'ai fait plus de 30 000 vues sur ma vidéo. Donc honnêtement, quand j'ai vu ça, oui, je me suis dit bon. Étant donné que la chasse tourne autour du sujet agricole, de temps en temps, bon, bah par exemple pour les renards, pour tirer les renards, je ferai peut-être des vidéos où je vous montrerai comment on fauche les foins, ou comment on les endaigne et comment on les presse par exemple. Donc ça peut être intéressant. Donc ensuite je vais continuer mes vidéos sur l'aménagement de territoire. Ça peut être aussi ça peut être très très intéressant pour ceux qui le veulent. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes intéressé vraiment par une vidéo en particulier ou autre, ou que je pourrais vraiment vous la faire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite sur Apprendre la chasse.